Bonsoir tout le monde et bienvenue au grand débat sur la crise linguistique, un exercice où on va s'interroger, où on va réfléchir sur l'avenir des communautés francophones au Canada. On le sait, les derniers mois ont été particulièrement éprouvants avec l'annonce de compression ici en Ontario de la part du gouvernement de Doug Ford, mais c'est une réalité qu'on connaît ailleurs au pays également. On peut penser à ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, où les relations entre des francophones et les gouvernements sont passablement tendues. Bref, ça brasse un peu partout. Alors, on s'est dit que c'était le bon moment de s'arrêter, de prendre une pause, de réfléchir pour déterminer là où on s'en va. Et c'est un bon moment parce qu'en 2019, la loi sur les langues officielles au Canada a 50 ans. Absolument. Radio-Canada est très fier de vous présenter cette tribune pour discuter et débattre de cette situation inquiétante pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Je suis Gabrielle Sabourin, je suis chef d'antenne du Téléjournal Ontario. Et je m'appelle Mathieu Nadon, chef d'antenne du Téléjournal Ottawa-Gatineau. Gabrielle et moi aurons l'exercice ce soir d'animer et de modérer le débat, mais on ne sera pas seul pour le faire. Et surtout, on compte sur vous pour alimenter la discussion, pour nourrir la conversation. Bonsoir, Marie-Hélène Ratel. Bonsoir. Alors, expliquez-nous comment les gens peuvent participer ce soir. Donc, ce soir, peu importe d'où les gens nous regardent, nous écoutent, eh bien, ils peuvent participer à cette conversation au grand débat. Radio-Canada multiplie les plateformes et vous pouvez le faire tout d'abord sur notre site web au radio-canada.ca/langues officielles au pluriel. Nous serons aussi très actifs sur les médias sociaux, donc consultez nos pages Facebook, ici Ontario et ici Ottawa-Gatineau. Et le mot-clic qu'il faut garder en tête ce soir, c'est Langues Off, O-F-F pour Langues Officielles. Utilisez-le sur Twitter et nous serons très attentifs à vos commentaires, vos questions, vos publications tout au long de la soirée. Alors, vous aurez compris que Marie-Hélène sera la courroie de transmission entre vous, le public, sur les médias sociaux, sur le web, et nous qui sommes ici à Toronto. Ça va vous prendre des yeux et des oreilles un peu partout? Oui, on s'attend à être très occupés et c'est pour ça que nous avons une belle équipe aux médias sociaux. Cette équipe qui va m'aider à faire le tri. Il y a certaines de vos questions que nous allons poser à notre panel. Donc, nous vous invitons à être très attentifs aux thèmes qui seront abordés ce soir. Posez-nous vos questions, parlez-nous de vos préoccupations, des enjeux qui vous tiennent à cœur et nous sommes là pour vous écouter. À tantôt, Marie-Hélène. Merci. Et notre débat va durer 90 minutes. Nous aurons trois thèmes, la politique, l'éducation et la culture. Et pour voir ou entendre nos échanges après 19 h, vous pouvez le faire sur notre site web, sur notre page Facebook ou encore nous écouter à la radio sur la chaîne Ici Première. Et tout de suite, on va vous présenter les gens qui sont sur scène, les panélistes qui auront comme lourde tâche de répondre à toutes ces questions, toutes ces préoccupations. Ce soir, je tiens à vous préciser qu'on a cherché à avoir un large éventail d'opinions, des points de vue très diversifiés, justement pour nourrir la conversation, pour enrichir les débats. On commence avec Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au Collège militaire royal de Kingston et chercheure à la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Bonsoir. Bonsoir. Melchior Bonimpa, vous êtes auteur, docteur en philosophie et en théologie, professeur au département des sciences religieuses à l'Université de Sudbury. Bonsoir. Bonsoir. Tasha Kerrigan, analyste et commentatrice politique, invitée fréquemment aux émissions d'actualité de Radio-Canada. Bonsoir. Bonsoir. Nous retrouvons également M. Jean-Serge Brisson. Vous êtes porte-parole désigné par le groupe Canadian for Language Fairness. C'est une organisation qui s'oppose notamment à la loi sur les langues officielles. Bonsoir. Bonsoir. On poursuit avec Faiza Abdallaoui, présidente du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones et aussi entrepreneur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et finalement, Maître François Boileau, vous êtes commissaire au service en français de l'Ontario et dont le commissariat sera prochainement démantelé par le gouvernement de Doug Ford. Bonsoir. Bonsoir. Et je tiens à vous préciser que nous avons aussi lancé une invitation à la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, et à Marie-Lisa Gosselin, qui est la conseillère politique principale aux Affaires francophones au bureau du premier ministre Doug Ford. Elles ont toutes deux décliné notre invitation. Et nous vous demandons ce soir, lors de vos interventions, d'être le plus concis possible. C'est pour permettre le plus grand nombre d'opinions. Alors, votre esprit de synthèse sera sollicité ce soir. Alors, si vous êtes prêts, on y va maintenant. On le disait d'entrée de jeu, la loi sur les langues officielles adoptée par le gouvernement du Canada en 1969 a 50 ans cette année, en 2019. Et qui de mieux pour lancer la discussion que l'actuel commissaire aux langues officielles, M. Raymond Théberge? Nous l'avons invité à préparer une déclaration. Voici ce que ça donne. Bonsoir. C'est un privilège pour moi de donner le coup d'envoi à ce grand débat sur les droits des communautés de langues officielles en situation minoritaire. En tant que commissaire aux langues officielles,
c'est mon mandat de veiller à la vitalité des communautés de langues officielles en situation minoritaire, et ce, partout au pays. Je constate qu'elles se retrouvent maintenant au cœur d'importants enjeux identitaires. L'année 2018 s'est terminée sur une note amère pour la francophonie, et je crois que 2019 sera déterminante pour l'avenir de cette dernière. Comme vous le savez, la mise au rencard du projet de l'Université de l'Ontario français et la fin de l'indépendance de mon homologue François Boileau ont provoqué un tollé d'indignation partout au Canada et embrasé du même coup un foyer de résistance hors du commun. Si la mouvance qui porte atteinte aux droits linguistiques n'a plus de frontières, je peux en dire autant de la vague de solidarité qui a déferlé en réponse à ces reculs. Il va sans dire que ces événements m'ont ébranlé. En effet, je ne m'attendais pas à devoir me prononcer publiquement sur de tels reculs en 2018, à l'aube du 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Cette loi, qui fait partie de la mémoire collective des Canadiens, représente les véritables fondements du contrat social qui nous unit. La dualité linguistique fait partie de notre identité nationale et elle représente un puissant symbole d'ouverture, d'empathie et de respect. Elle enrichit notre culture et nos milieux de travail de multiples façons et elle exprime notre engagement envers la diversité et l'inclusion. Somme toute, nous avons tous un rôle à jouer en ce qui a trait au respect des langues officielles. Mais d'abord et avant tout, nous devons nous respecter les uns les autres. J'espère que vous profiterez, comme moi, des enrichissantes discussions que suscitera le débat. Et voici maintenant le premier thème de ce grand débat, la politique. Est-ce que la vitalité des communautés de langues officielles est assujettie à la volonté politique? Et si c'est le cas, c'est le rôle des lois de protéger cette vitalité. Et lorsqu'on parle des droits des communautés de langues officielles, ces droits sont enchâssés dans la Constitution. Et on peut commencer à réfléchir, à s'interroger, ça veut dire quoi avoir des droits dans une société? Lorsqu'on parle des droits des travailleurs, des femmes, des francophones, qu'est-ce que ça signifie avoir des droits pour une société ou une communauté linguistique? Tiens, je me tourne vers M. Boileau, le commissaire au service en français. Cette notion de droit, qu'est-ce que ça signifie avoir des droits lorsqu'on est francophone? D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie de vivre dans une démocratie? Et de vivre dans une démocratie saine, c'est une démocratie qui respecte ses minorités. Et le respect des minorités passe aussi par des droits. Parce que si on n'a pas ces droits-là, à ce moment-là, c'est la dictature de la majorité qui l'emporte toujours. Et ça, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas que les gens sont méchants ou mauvais, c'est normal que la majorité va toujours l'emporter. Et dans une démocratie, c'est normal aussi que les décisions soient prises à la majorité, mais dans le respect des minorités. Et c'est pour ça qu'on a des droits, c'est pour s'assurer qu'il y ait des balises qui garantissent aux minorités, que ce soit des minorités linguistiques, minorités raciales, ethnoculturelles, etc., On est tous, à un moment donné dans notre vie, peut-être pas des hommes blancs de 50 ans, là, comme moi, mais on est tous, à un moment donné, minoritaires dans quelque chose. Et donc, c'est important d'avoir des droits pour avoir des balises qui font en sorte que notre démocratie va être respectée. La notion de droit, M. Melchior Bonimba, ça vous parle, vous? Pourquoi ça veut dire quoi, avoir des droits, selon vous? Je ne suis pas juriste, mais dans une situation où on est... en groupe minoritaire, je pense que les droits, ce sont des instruments pour éviter de perdre ou d'évacuer les positions conquises, disons défensivement, mais aussi au niveau offensif, pour conquérir un point de départ, une base, pour conquérir d'autres droits si nécessaire. Très bien. Merci beaucoup. Et vous savez, une de celles qui s'est battue pour les droits, notamment des franco-ontariens, qui s'est retrouvée littéralement au cœur de la tempête l'automne dernier, c'est la députée maintenant indépendante de la circonscription de Glengarry Prescott Russell, Amanda Simard, qui ne pouvait pas être avec nous ici ce soir, mais qui tenait quand même à participer au débat, au thème politique. Voici sa question.
Alors, ce soir, pour ouvrir le volet politique du débat, ma question pour vous serait la suivante. Nous avons récemment appris que le gouvernement Ford n'écarte pas la possibilité de fusionner les zones de conseils scolaires en Ontario. Quelle serait votre position sur un tel changement et votre raisonnement? De plus, M. Ford risque-t-il d'aggraver la crise linguistique en Ontario si une telle proposition est avancée? À vous, chers panélistes. Et je vous mentionne qu'on aura amplement le temps de parler d'éducation tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on s'attarde au volet politique de la question. Est-ce que des gouvernements comme le gouvernement d'Ontario, mais comme plusieurs autres au Canada qui arrivent au pouvoir, qui veulent changer des structures existantes, que ce soit en éducation, en santé, est-ce que ça, Stéphanie Chouinard, ça menace les droits des francophones? Ça ne les menace pas tant que les communautés sont consultées a priori. Ce qui n'est pas toujours le cas. Exactement. Donc, ce qu'on a vu l'automne dernier, justement, les changements qui ont été faits, l'ont été faits sans que la communauté soit consultée sur les meilleures façons de faire ou peut-être les façons de couper dans le budget, parce que c'était ça la raison que le gouvernement avait donnée à l'époque, pour que ça fasse le moins mal possible à la communauté. Mm-hmm. Si on parle de fusionner des conseils scolaires, et cette semaine, on a entendu parler de la santé surtout, mm-hmm. Ça serait important de s'asseoir avec les représentants communautaires qui connaissent ces milieu-là, pour s'assurer que s'il y a des modifications faites aux structures existantes, qu'elles sont faites dans le respect de ces communautés-là. Et comment, Tasha Kerrigan, faire en sorte que lorsqu'il y a un souci d'économie derrière tout ça, ce ne soient pas les minorités qui écopent, comme c'est souvent le cas? Bien, c'est une question difficile parce que le gouvernement recherche des économies, justement, et il y a une estimation qui a été faite que simplement en changeant la structure catholique versus publique, on pourrait économiser, je pense, 1,6 milliard de dollars. Alors, il y a une grosse tentation, là. On voit dans les autres provinces aussi qui abolissent ou veulent abolir, la Nouvelle-Écosse en a aboli, le Québec veut abolir les conseils scolaires. Je pense que le danger pour la minorité, et on voit ça au Québec, justement, les anglophones minoritaires se battent maintenant pour leurs conseils parce que c'est important. Je pense que la même réponse se trouverait ici. La communauté francophone ontarienne est un peu divisée sur la question parce qu'il y a certaines écoles peut-être qui bénéficieraient d'une fusion, certaines d'autres qui ne l'est pas. Alors, je suis d'accord avec ma collègue qui a dit qu'il faut consulter. C'est un cas par cas. On ne peut pas simplement faire une fusion partout. Mm-hmm. J'aimerais maintenant vous entendre, M. Brisson, avec la montée du populisme un peu partout. Est-ce que vous pensez que l'émergence des mouvements anti-bilingues ou anti-francophones augmente? Est-ce que ces mouvements-là prennent leur essor? Les mouvements... c'est... OK, on va vous dire une chose. On m'a copié les mots de M. Reagan. Je viens du gouvernement puis je sais pour vous aider. Courir sur le bord. Le gouvernement est le problème. Une culture, que ce soit n'importe quelle culture, c'est les individus qui sont dedans qui la font vivre. Mm-hmm. Puis quand un gouvernement s'accapare l'argent pour les conseils scolaires, au lieu de remettre ça dans les mains des communautés qui sont en besoin, le gouvernement, c'est une bureaucratie qui commence à faire des décisions pour ces communautés-là. Mm-hmm. C'est aux communautés de se prendre en main, de reprendre le pouvoir des gouvernements puis se diriger eux-mêmes pour avancer leur culture, l'éducation, la langue. Mm-hmm. Mais c'est pas le gouvernement qui va faire pour eux autres. Mais vous représentez... Pour en revenir. Puis c'est ça, quand tu as un gouvernement qui commence à dicter aux autres à la majorité, comment c'est qu'eux autres vont payer pour ou mm-hmm. prendre la responsabilité de ces cultures-là, ça lève... ça commence à causer une friction avec la majorité. Vous représentez l'organisme Canadian for Language Fairness, voilà. Est-ce que vous sentez que vous avez de plus en plus d'adeptes parce que vous questionnez le bilinguisme institutionnel? Le bilinguisme original, quand Pierre Trudeau l'a rentré, mm-hmm. il n'y avait pas de question. Le monde supportait ça parce qu'il était d'accord avec les gens qui étaient dans une situation... minoritaire ou qui avait besoin d'un service dans une langue qui n'a pas parlé comme la majorité, mm-hmm. il n'y avait pas de problème à l'accepter. Oui. Mais aujourd'hui, c'est rendu l'emphase et que quand on prend dans la bureaucratie, j'ai des gens qui sont membres de l'organisation ils se font dire, tu ne pourras pas avancer dans ton travail mm-hmm. parce que tu n'es pas bilingue. Oui.
C'est là que ça cause une friction encore. Quand tu es rendu que les gouvernements veulent toujours représenter une partie de la population en disant bien, ça prend une minorité sur le sexe, ça prend une minorité sur les couleurs et la langue aussi. Mais quand tu es rendu dans la fonction publique où est-ce que tu as 70 % de la population qui représente une culture parce qu'ils ont besoin de parler la langue, puis on va être honnête. Quand ça vient pour être bilingue, la majorité des personnes qui vont être au gouvernement qui sont bilingues sont francophones. Merci, Monsieur Brisson. On va aller voir immédiatement. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le web. Marie-Hélène, on a des questions, des préoccupations déjà. Tout à fait. On a déjà reçu une question de Marc-Antoine Gagné qui nous écrit de Facebook. Vous pouvez le faire, vous aussi, sur nos pages Ottawa-Gatineau et ici Ontario. Marc-Antoine Gagné, qui est un unilingue francophone, il ne parle pas l'anglais couramment. Il se demande quel est l'avenir pour les unilingues francophones comme lui. On peut peut-être se poser la question du point de vue du cadre légal existant, du point de vue des politiques, aussi. Intéressant. Quelqu'un veut se lancer là-dessus? Monsieur Boileau? Il ne faut pas oublier que le cadre constitutionnel et la loi sur les langues officielles fédérales est là aussi pour protéger les unilingues. Mm-hmm. Donc, en matière de services, de réception de services, de communication et de réception de services. Ça, on oublie ça souvent parce qu'on focalise beaucoup sur les communautés qui sont en situation minoritaire de langues officielles. Mais en même temps, la loi sur les langues officielles a cet objectif-là de protéger ceux qui sont unilingues, de recevoir des services de leur gouvernement fédéral, entre autres. Et bien sûr, en Ontario, on n'a pas vraiment ce besoin-là. C'est davantage pour desservir les populations et souvent les populations francophones qui sont dans des situations de vulnérabilité encore plus. C'est encore plus pertinent. Mm-hmm. On me dit qu'on a une question du public maintenant. Monsieur, approchez-vous du micro. Dites votre nom et votre question. OK. Mon nom, c'est Constant Wapo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Toute lutte se gagne avec des alliés. Et la lutte pour les droits francophones devrait également se gagner avec des alliés. Alors, qui sont nos alliés? Et si nous n'en avons pas suffisamment, ou si nous n'en avons pas du tout, quelles sont les stratégies pour nous d'en avoir de suffisamment influents pour nous accompagner dans la lutte? Merci. Alors, qui sont les alliés des francophones? Qui veut répondre à ça? Madame Abdallaoui? Ma foi, effectivement, cette question de la lutte, elle apparaît assez rapidement dans le cas des nouveaux arrivants, par exemple, puisqu'effectivement, il y a cette idée, quand on arrive de l'étranger, que le Canada va être bilingue et qu'on va se retrouver reconnu, alors dans le cas où on est unilingue, justement, et on arrive avec cette langue officielle. Et c'est vrai que parmi les choses que j'entends beaucoup de la part de cette communauté immigrante, c'est qu'on a l'impression d'être un petit peu tout seul et un petit peu toujours minoritaire ou triplement minoritaire. Donc ces alliés, c'est effectivement toutes ces personnes qui veulent continuer à faire vivre le français, mais ça va être aussi les anglophones. C'est quelque chose qui, c'est vrai, est complètement laissé de côté. Ça va faire 10 ans que je suis au Canada. Et depuis plusieurs années, j'observe effectivement ces questions de revendication des droits. Et c'est un petit peu toujours, trop souvent, entre nous, alors qu'on l'a vu aussi avec la crise, justement, cette fameuse crise de novembre, qu'il y avait des anglophones, qu'il y avait des francophiles qui étaient vraiment touchés par ces enjeux-là et qui étaient attachés à cette question du bilinguisme canadien. Et j'aimerais me tourner vers Tasha Kerridin. Ce dialogue francophone-anglophone, sentez-vous que les francophones sont assez actifs pour faire connaître leurs revendications? On a eu l'impression cet automne que les anglophones ne savaient pas du tout ce dont il était question. C'est certes qu'il y a, une division d'intérêts, parce que c'est sûr qu'une minorité a un intérêt plus spécifique. Mais moi, je dirais et j'ajouterais pour les nouveaux arrivants, c'est intéressant de voir le taux d'immersion de leurs enfants. Il y a des écoles même où on n'a plus d'écoles anglophones dans certains secteurs, dans, je pense, York Region, c'est une des régions, où on ferme les écoles anglophones parce que, justement, les nouveaux arrivants, ils veulent que leurs enfants soient bilingue, c'est la définition du Canada. Alors moi, j'ai vécu la même expérience. Mes parents voulaient que j'apprenne les deux langues. Ils étaient des immigrants et ça m'a beaucoup aidée dans ma profession aussi. Et je pense que ça, en su des francophiles, c'est l'intérêt économique. 1 sur 5 emplois à Toronto exige le bilinguisme. Mm-hmm. Je pense que les gens ne connaissent pas ça. Une campagne publicitaire peut-être, mais c'est important. Monsieur Bonimpa, je vous vois hocher de la tête. Vous avez envie de rajouter quelque chose? Oui, je voulais
revenir un tout petit peu sur le terme, sur la réalité du bilinguisme, pour dire que quand je suis arrivé au Canada, j'avais une idée qui ne correspondait pas à la réalité à propos de la langue. Je croyais qu'au Canada, tout le monde parlait anglais et français. Oui. Parce que j'avais eu à l'école secondaire des professeurs qu'on appelait les coopérants. Et il y avait parmi eux des Canadiens, toujours des francophones, mais pas des Québécois. C'était des francophones de l'Ontario, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick. Et ils nous enseignaient l'anglais. Et alors, à partir de là, j'ai pensé que tous les Canadiens parlaient anglais et français sans problème, que ce n'est pas une question de lutte, que c'est une réalité simplement brute. Donc, vous avez eu un choc, finalement. Oui. Mais petit à petit, j'ai compris, parce que le contexte, c'est un contexte historique, culturel, où les deux langues ont vécu dans un rapport de domination et de soumission. Et ça, ça laisse des traces. Et donc, pour la minorité, il faut qu'elle se batte pour avoir des droits. Maintenant, à propos des alliés, moi, je viens de Sudbury et probablement que je peux parler de ce que nous sommes en train de faire avec les anglophones, parce que sans les anglophones, ça ne fonctionnerait pas. On a rêvé pendant longtemps d'un conseil, comment on appelle ça, la place des arts. Oui. Et c'est en train de se réaliser après plusieurs années, mais je me rends compte que pour que ça fonctionne, il faut qu'on convainque des instances où la majorité des gens qui travaillent là sont des anglophones. Le conseil municipal, si nous ne parvenons pas à faire en sorte que la majorité anglaise soutienne cette idée, si nous ne parvenons pas à leur prouver que ça va aider même les anglophones, mais nous avons réussi à le faire et ils nous soutiennent. Et donc, ce n'est pas des groupes précis, c'est même simplement les anglophones en général qui sont nos alliés si nous parvenons à les recruter et à les entraîner dans nos projets. Est-ce que c'est là, Stéphanie Choulard, peut-être une des solutions pour aller chercher, je reviens à la question, des alliés, de tisser des liens plus serrés entre francophones et anglophones? Comment on peut arriver à ce que ça se produise? Je crois que c'est fondamental d'expliquer à la communauté majoritaire notre situation. Durant l'automne, j'ai eu la chance de discuter avec plusieurs intervenants de la communauté majoritaire de ce qui se passait en Ontario ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. Et il y avait surtout de l'incompréhension. On voulait comprendre pourquoi, avec autant de virulence, la communauté s'était soulevée face aux décisions du gouvernement Ford. Et ça a été là, vraiment, où j'ai réalisé que peut-être c'est quelque chose qui nous manque d'être capable d'expliquer à la communauté pourquoi on tient autant à ces institutions-là. Parce que pour la communauté majoritaire, parfois, c'est pris pour acquis. Absolument. Maintenant, j'aimerais parler, nous en avons parlé d'emblée, la loi sur les langues officielles à 50 ans. On est dans le thème politique. Cette loi doit être modernisée. Il y a un processus en cours. Est-ce que cette loi qui a été mise en place il y a 50 ans est encore pertinente aujourd'hui? Est-ce qu'elle protège toujours bien les communautés minoritaires linguistiques? Monsieur Boileau. Bien, je pense qu'elle doit être modernisée. Juste un mot sur les alliés. Je pense que je m'en voudrais qu'on ne mentionne pas Canadian Parents for French, French for the Future. Mm-hmm. Ce sont des alliés qui sont naturels. Il y a 1,2 million d'anglophones qui parlent français juste ici en Ontario. Quand on parle d'alliés, il y a bien sûr la population québécoise qui s'est comme un peu réveillée. Il y a des francophones hors Québec. Il y a aussi des articles, des éditoriaux. La Gazette, le Montreal Gazette, quand elle a sorti un éditorial, ça envoyait un message. Le Toronto Star a suivi. Le Globe and a suivi. Le Ottawa Citizen a suivi. Donc, ça, en français et en anglais. Donc, ça, c'est des impacts qui font en sorte que, oui, effectivement, la loi sur les langues officielles fédérales est encore extrêmement pertinente. Elle doit être modernisée. Elle a plusieurs rôles. D'abord, de protéger les unilingues, mais aussi d'assurer le développement et l'épanouissement, dans la mesure du possible des compétences fédérales, bien sûr, des communautés minoritaires vivant de langues officielles vivant en situation minoritaire. On doit modifier ça. Il y a une incompréhension majeure entre services communication et développement des communautés. Il faut faire ce pont-là, il faut faire ce pont-là juridique. On l'a vu avec l'arrêt Gascon. Bref, il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses à dire. Absolument. Merci. Merci. On a maintenant une autre question du public. Monsieur, votre nom et votre question.
Alors, bonsoir, René Viau ici. C'est pas tellement une question comme un commentaire. Nous sommes ici au Canada. Le Canada a deux langues officielles. Je crois que dans le ministère de Mme Joly, coïncider aux propos de M. Boileau puis de Mme Chouinard, il y a un effort qui doit être fait, justement, à travers le pays pour faire en sorte que le français, ce n'est pas une menace, le français, c'est un ajout et le français vient ajouter à l'économie du Canada dans son ensemble. Merci. Merci pour votre commentaire. Donc, des efforts à faire du gouvernement, si j'ai bien compris, fédéral, pour aussi promouvoir cette culture-là. On va retourner à Marie-Hélène, qui surveille très attentivement ce qui se dit sur les médias sociaux. Tout à fait. Et on vous invite à vous joindre à la conversation aussi, peu importe d'où vous nous écoutez. Sur Twitter, on se rappelle, le mot-clic, c'est « langues off » avec deux F. Et on a justement un commentaire qu'on a reçu de Twitter de Jenna McLellan, qui se pose une question qui se dirige vers le gouvernement provincial. Les langues officielles, la loi sur les langues officielles à 50 ans, un rappel de la francophonie pour le Canada. Où êtes-vous, Caroline Mulroney, la ministre aux Affaires francophones? Et pour relancer le débat, alors qu'on parle de minorité linguistique, justement, le Québec est minoritaire dans le Canada, donc pourquoi les anglophones au Québec sont si bien entretenus et veulent toujours plus? Comment est-ce qu'on peut penser à ce contexte comparativement à ici, en Ontario, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les anglophones au Québec et les francophones en Ontario, Tasha Kerrigan? Oui, ayant vécu au Québec comme anglophone, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de batailles de la communauté anglophone pour ses droits. La loi 101 était une période très difficile, surtout quand elle est rentrée, mais la réalité anglophone aujourd'hui est très différente. Comparativement aux minorités francophones ailleurs au Canada, la minorité anglophone au Québec est assez choyée. Elle a ses institutions. Elle a bâti beaucoup de ses institutions aussi. C'est important à dire, les universités, les hôpitaux, etc. Mais en même temps, je pense qu'il y a une plus grande reconnaissance. Mais ça vient aussi, je pense, à la question démographique. Et je ne sais pas si on va l'aborder spécifiquement, mais le déclin démographique à l'extérieur du Québec de la francophonie, c'est une question très importante à s'adresser parce que le poids, même si on est minorité, ça dépend aussi de la démographie, de la taille de sa population. Alors, j'espère qu'on va discuter de façon d'augmenter peut-être aussi ce pourcentage. Est-ce qu'on parle de déclin démographique ou on parle d'assimilation? Il y a les deux et c'est relié. Déclin démographique aussi parce que la population vieillit, mm-hmm. la population aussi, il y a aussi une certaine mobilité de la population aujourd'hui entre le Québec et le reste du Canada. C'est peut-être attrayant pour un francophone de travailler au Québec, quitte l'Ontario. Mais l'immigration, je pense, est très important. Et je dirais simplement, dernier point, que le fait que le Québec désire avoir moins d'immigrants, de façon intéressante peut-être pour l'Ontario, attirer des immigrants francophones qui ne seraient pas accueillis là, venez ici, vivre ici en français, c'est possible, on peut faire ce message. Et j'ai le goût de rebondir là-dessus, Faiza Abdellaoui, comment convaincre, parce que c'est un des chevals de bataille depuis des années du gouvernement ontarien, mais on ne le voit pas dans les chiffres, comment attirer plus d'immigrants francophones ici? Aujourd'hui, les immigrants, c'est, je crois, 15 % de la population franco-ontarienne. Les convaincre, c'est aussi, alors peut-être que je vais dériver un petit peu, mais c'est s'assurer qu'une fois qu'ils sont là, ils ont la possibilité justement de s'épanouir, alors certes en français, mais aussi de s'épanouir économiquement. Monsieur parlait de choc, c'est vrai qu'on a d'abord ce choc de se retrouver face à une société qui, effectivement, n'est pas réellement bilingue, donc il y a un apprentissage important qui prend du temps, de l'anglais, de la culture, cette fameuse expérience avec laquelle vraiment ces immigrants arrivent, des expériences très très fortes professionnelles qu'il faudrait étouffer, effacer. Et ça, c'est très difficile. Donc je pense qu'effectivement, certes, il y a un enjeu démographique, il faudrait plus d'immigrants, mais j'interpellerai aussi sur le fait que les immigrants qui sont ici, il faut s'assurer qu'il y a tous les outils pour se renforcer. Merci, et le bouche à oreille jouera justement peut-être. Merci, on doit vous interrompre parce que c'est la fin de notre premier thème et c'est également ce qui conclut cette émission sur ici Radio-Canada Télé. Mais notre grand débat se poursuit à la radio, à la télévision, en fait sur le web et sur Facebook. Deux autres thèmes à venir, éducation et culture. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.
Et on poursuit cette discussion maintenant avec le deuxième thème de ce grand débat, l'éducation. Et ce thème s'inscrit dans le contexte où la création de l'Université de l'Ontario français a été suspendue l'automne dernier par le gouvernement de l'Ontario. C'est une institution que la communauté réclame depuis près de 50 ans. Et vous le savez, le droit à l'éducation en français a toujours été au cœur des batailles des Franco-Ontariens. Et pour cause, parce que l'éducation joue un rôle vital dans l'épanouissement d'une communauté. Et d'ailleurs, on en parlait il y a quelques minutes, la popularité des écoles primaires francophones et secondaires également est telle qu'il y a une pénurie d'enseignants francophones, non seulement en Ontario, mais un peu partout au pays en ce moment. Même constat pour les écoles d'immersion qui débordent. Donc, clairement, les parents veulent que leurs enfants apprennent le français. Les collèges francophones et bilingues contribuent à former une main-d'œuvre qui va rendre le Canada plus concurrentiel ici, mais également sur la scène internationale. Donc, malgré cette demande croissante, il ne semble pas y avoir une augmentation équivalente du financement. C'est ce que préoccupe bien des intervenants du milieu. C'est le cas du président du Collège Boréal, M. Daniel Giroux, qu'on écoute. Cela fait plus de 10 ans que le volet éducation de la langue de la minorité dans le cadre des programmes d'appui aux langues officielles n'a pas connu d'augmentation. Un appui pourtant indispensable à la qualité et au succès de l'enseignement francophone en milieu minoritaire à tous les niveaux. D'où ma question. Avec une éducation francophone plus que jamais populaire, mais moins que jamais financée, et une population francophone mondiale en croissance, ne devrait-on pas d'abord parler de crise de volonté politique en matière d'éducation francophone? Alors, on aimerait entendre notre panel là-dessus. Est-ce qu'il y a une crise de volonté politique pour le financement de l'éducation francophone? Monsieur Bonimpa, vous œuvrez dans le milieu, vous êtes bien placé pour y répondre. Oui, je dois d'abord dire que la question de l'université française, on l'agite depuis que je suis à Sudbury, depuis presque 30 ans. Et les professeurs francophones ramenaient cette question tout le temps. Au début, j'étais contre pour diverses raisons. Et à un certain moment, je me suis retrouvé dans une position où je voyais bien ce qui se passait avec nos étudiants francophones dans des programmes bilingues, dans des universités bilingues comme Ottawa ou comme la Laurentienne. Je me suis retrouvé à la direction d'un département bilingue. Alors, il faut regarder tout simplement les listes d'étudiants pour constater que le tiers des étudiants qui sont dans les programmes en anglais, ce sont des francophones. Ça signifie que quand vous avez les deux langues dans le même programme ou dans la même université, le côté francophone perd des étudiants. Donc, il y a une assimilation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que d'avoir des institutions bilingues, ça ne rend pas nécessairement pleinement service aux francophones? Ce bilinguisme, il est, en tout cas au niveau de l'éducation, il doit couvrir plusieurs besoins. Certaines fois, cette assimilation, ou en tout cas cette capacité d'un étudiant francophone de s'exprimer correctement et très bien d'ailleurs en anglais, ça lui permet aussi de toucher d'autres emplois. Il ne s'agit pas toujours de toucher les emplois bilingues, mais c'est vrai effectivement sur certains cursus où il serait très intéressant de pouvoir continuer toute son éducation en français pour pouvoir aller remplir ses emplois dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, où il y a des besoins qui sont très importants. Effectivement, là, je dirais, c'est pas forcément un manque de votre question, le terme que vous employez, c'était de volonté politique. Je dirais de compréhension de la demande, tout simplement. Il y a une déconnexion entre les besoins et la réponse, et peut-être que le gouvernement aurait besoin de se pencher un peu plus là-dessus pour accompagner souvent en plus des programmes qui sont très innovants. Je pense au Collège Boréal qui met en place qui offre des programmes de bridging, donc de programmes relais, justement pour tous ces expérimentés, ces personnes qui arrivent de l'étranger, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont des programmes très efficaces et qu'il faudrait pouvoir développer encore plus. Maintenant, Marie-Hélène, vous avez une question pour nous. Oui, quelques-unes, parce que quand on parle d'éducation en français, l'éducation postsecondaire, ça retient l'attention des gens, notamment du côté des universités et un peu partout au pays. Donc, tout d'abord, cette question de Claude Dulac qui nous a écrit sur Facebook. On compte 3 universités anglaises pour 6% d'anglophones au Québec. Quelle est la situation ailleurs, notamment pour 50% de francophones au Nouveau-Brunswick? Et pour faire un parallèle avec ici, en Ontario,
Avec toute cette crise dont on a parlé depuis le mois de novembre entourant l'Université de l'Ontario français, comment pourra-t-on assurer la continuité de l'éducation en français dans les universités bilingues? Comment responsabiliser ces institutions? Stéphanie Chouinard, avez-vous envie de répondre à cette question? Je crois que c'est une grande question oui. Et beaucoup de travail. Je sais, entre autres, que l'Université d'Ottawa, par exemple, fait face à la problématique où la démographie francophone au sein de l'institution est en baisse. On a fait face à un moins de 30 % d'inscrits francophones. Et donc, on doit vraiment se poser la question, dans ces institutions bilingues-là, est-ce qu'on rend service à la population francophone et quelle est justement cette masse démographique nécessaire pour préserver un espace français? Absolument. Et dans ces institutions francophones, il y a des fois des étudiants à l'étranger qui arrivent ici au Canada, qui sont francophones, mais qui veulent aussi apprendre l'anglais. Donc, ils ont besoin aussi d'être bilingues. Fazab Abdallaoui. C'est très clairement un des avantages qui doit être mis en avant pour cette question de l'université, puisque vraiment d'avoir une université française dans un pôle urbain si important, si divers que celui de Toronto, et en plus avec une économie assez puissante, mm-hmm. ça serait justement créer ces ponts, ces possibilités d'étudier en français dans un milieu bilingue, et surtout de revenir dans son pays après, puisque effectivement certains des étudiants de cette université seraient des étudiants étrangers, de revenir et créer ces ponts économiques dans les deux langues, qui donnent des contrats. Et on a vu plusieurs exemples de grosses sociétés canadiennes qui ont pu créer et monter ces contrats et développer ces exportations. Donc, vraiment, d'apprendre les deux langues, encore une fois. Moi, quand on parle de bilinguisme, c'est d'être à l'aise dans les deux langues. Mm-hmm. C'est ça, la puissance du Canada. Ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, évidemment. On a une question ici dans le public. Bonsoir, madame. Votre nom et votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle Christine Dallaire. Je suis enseignante à Kingston, dans une école secondaire publique. Ma question s'adresse à monsieur Brisson. Vous avez affirmé plus tôt, et aussi vous l'affirmez dans les médias, que la culture, la langue ne devrait pas être l'affaire de l'État, que c'est les gens eux-mêmes qui devraient s'en occuper. Alors, concrètement, comment un peuple minoritaire peut s'épanouir et avoir accès à des produits culturels, une éducation de même qualité que la culture majoritaire, si l'État n'intervient pas dans leur financement? Et je pense aussi à plusieurs programmes qui existent dans les écoles secondaires pour encourager les jeunes à s'impliquer dans les arts, dans la culture. Je pense à des programmes comme « Quand ça nous chante » qui ont été coupés, des programmes artistiques. Alors, comment qu'on fait concrètement pour prendre en charge l'épanouissement de la culture minoritaire? C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, le gouvernement s'est accaparé tous les argents pour l'éducation. Quand c'était ramassé et redistribué au niveau local, puis tant que ça ne retournera pas de même, le problème va juste s'empirer. Le financement se fait à la base, où est-ce que la culture demeure. Je viens de la municipalité de Russell, j'ai été conseiller dans la municipalité de Russell. Et puis, je me rappelle quand que j'allais à l'école, c'est la culture elle-même. Les familles s'occupaient de l'argent, ils ramassaient, ils redépensaient dans leur école. Quand il y a un gouvernement qui arrive et dit « c'est nous autres qui va l'apprendre, puis on va décider pour vous autres », c'est là que le problème commence. On ne peut pas concentrer les efforts des communautés dans un gouvernement. C'est au niveau de la culture, des gens dans la région qui savent mieux comment dépenser leur argent qu'ils vont ramasser. J'aimerais faire du chemin sur la question de Mme Dallaire, peut-être entendre les autres panélistes. Comment, dans un contexte où des programmes comme ceux dont on a parlé sont coupés, comment faire pour rétablir ou contribuer à l'épanouissement de la culture quand même dans le système d'éducation? Si je peux intervenir, je ne suis pas un grand partisan d'un grand gouvernement non plus, mais dans la situation qu'on est au Canada, on a deux langues officielles, on a une culture officiellement bilingue. Oui, c'est vrai que les minorités sont éparpillées d'une façon particulière. Le Québec majoritairement francophone avec minorité anglophone, le reste du pays avec des minorités francophones. Mais c'est pour cette raison-là que votre propos ne tient pas, parce que c'est impossible pour les communautés à l'extérieur du Québec francophone, par exemple, de soutenir tout seul
leur culture, leur langue, sans assistance du gouvernement qui a mis en place cette loi-là. Alors, j'aimerais dire que oui, il faut que les efforts soient faits par les individus, par les communautés, certainement. Mais dans ce cas-ci, il y a aussi besoin, si les droits sont vraiment des droits, il faut aussi soutenir ces droits-là avec une certaine action qui vient du gouvernement. Et oui, c'est de la redistribution, mais c'est la seule façon de garantir que la loi soit respectée. Autrement, laisser tomber la loi, mais je ne pense pas qu'on est en faveur de ça. Mais peut-être vous êtes, mais moi, je ne suis pas. Et si on revient, je pense à la question d'Amanda Simard qu'on a vue dans le premier bloc, qui parlait d'éducation, de possible fusion des conseils scolaires. Peut-être, M. Boileau, est-ce que le système scolaire répond bien aux besoins des francophones actuellement, selon vous? Bien, écoutez, je veux juste parler du droit, l'état du droit, là. Si on parle de fusion de conseils scolaires francophones publics et de conseils scolaires francophones catholiques, bien là, faut attention parce que l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 qui donne des droits confessionnels. Donc, il faudrait qu'il y ait un amendement constitutionnel, ça c'est déjà fait à Terre-Neuve, au Québec ou ailleurs, mais il faudrait quand même avoir un amendement constitutionnel, donc le Parlement de Queen's Park et le Parlement fédéral qui soient d'accord pour changer la Constitution par rapport aux droits confessionnels. Ça, c'est d'une chose. Si on parle de fusion de conseils scolaires francophones, là, on en a 12 en ce moment, puis qu'on décide de dire, bon, ben, on en a 8 qui sont catholiques francophones, on en a 4 qui sont publics, donc on va en avoir seulement qu'un, ou on en avoir... Là, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. On a des arrêts de la Cour suprême du Canada qui viennent déterminer que les parents ont un droit de gestion scolaire. Est-ce que ce droit de gestion scolaire va être encore respecté si les conseillers scolaires qui représentent les parents n'ont pas la possibilité de pouvoir vraiment bien représenter les parents? Donc, il y a un tas d'enjeux linguistiques, constitutionnels, qui vont se poser s'il y a des fusions. Et ça, c'est pas juste la loi sur l'éducation de l'Ontario. Ça touche le droit scolaire qui est prévu à l'article 23. Et grand Dieu, on a des droits, justement, pour protéger les minorités. Parce que si, sans ces droits-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est la dictature de la majorité. Et là, on n'a plus de démocratie. Mm-hmm. Donc, c'est un choix qu'on a à faire comme pays. Très bien. On a une question de notre public, monsieur? Oui, c'est encore Constant Wapo. Oui. Allez-y. Changer de nom, Constant? Oui, je voudrais intervenir par rapport aux difficultés auxquelles l'Université de l'Ontario français est actuellement confrontée. Je voulais savoir s'il ne serait pas important pour la francophonie ontarienne de susciter la contribution de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est quand même 88 États et gouvernements qui, je pense, ne verraient pas d'un mauvais œil d'intervenir et en retour pourraient donc envoyer leurs étudiants à étudier à l'université. Donc, votre question, doit-on tisser des liens avec l'Organisation internationale de la francophonie dans le projet de l'Université de l'Ontario français? C'est ça. Qui a envie de répondre à cette question? Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement possibles que la province et le fédéral? Il y a toujours la possibilité de faire des universités privées. Ça s'est fait en Colombie-Britannique. Oui. Une université privée, ça existe. Je ne sais pas si la francophonie voudrait financer tout l'argent qui est nécessaire. Et c'est ça où ça vient aussi, notre système d'université publique. Ça revient à la question de droit aussi et d'égalité de chance. Si les francophones ne reçoivent pas d'appui du gouvernement et les anglophones le reçoivent, c'est une inégalité. Pour moi, cette université francophone, ce n'est pas seulement un lieu où on étudie en français, c'est aussi, ça devient, comme j'ai vécu moi au Québec, les universités anglophones là, c'est des lieux de culture, c'est des lieux aussi d'épanouissement, d'échange et de création, ben, de créativité, je dirais. Mm-hmm. Ce qui est très important dans l'économie de l'avenir, comme on le constate, c'est aussi une façon d'attirer des immigrants, parce qu'il y a toujours des étudiants qui viennent, des étudiants francophones qui restent au pays. Sans université, on ne les attirerait pas. Alors, sur ce point-là, c'est important aussi. Mm-hmm. Et comment financer ce projet d'université, Stéphanie Chouinard? Bien, je crois que l'OIF, c'est une option intéressante. Je crois que l'OIF a un certain pouvoir, et d'ailleurs, l'OIF a chauffé les oreilles à Doug Ford il n'y a pas très longtemps. Par contre, pour ce qui est de mettre du financement, je crois que les intérêts de l'OIF sont ailleurs en ce moment, notamment dans les pays en voie de démocratie. Mm-hmm. Par contre, bon, je sais que l'OIF finance des choses comme des chaires Senghor, par exemple, mais de là à financer une entité complète, je crois qu'on est un peu loin de ce que l'OIF serait prête à faire.
Le fédéral a déjà fait un petit bout de chemin pour la prochaine année. C'est certain que ça ne sera pas suffisant. Et oui, il y a eu une décision il y a quelques mois de mettre ce projet-là sur la glace en Ontario, mais on recule en arrière, M. Ponimba. Comment ça se fait? Vous avez dit tout à l'heure, ça fait depuis que vous êtes arrivé 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on parle du projet d'université française en Ontario et que ça ne soit pas encore une réalité. Comment vous pouvez expliquer ça? Moi, je pense que j'ai déjà donné une raison qui milite en faveur de la création de l'université francophone. Il y en a deux autres. L'autre raison, c'est que j'ai constaté que je perdais mes profs francophones dans les universités bilingues. Dans une université bilingue, vous recrutez des professeurs bilingues pour enseigner en français. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils constatent quand ils arrivent? Qu'ils sont dans des classes francophones avec quelques individus et c'est déstabilisant. Et s'ils sont capables d'enseigner en anglais, ils vont faire de la transhumance, ils vont vers les classes qui sont plus consistantes. Et la troisième raison qui me pousse à soutenir, c'est que les institutions, c'est-à-dire les universités, ne se sont pas donné les moyens de protéger le français. C'est-à-dire, ce prof qui émigre vers l'anglais, on n'a pas les moyens de l'obliger à rester du côté francophone alors qu'on l'a recruté comme bilingue. Donc, il y a des tas de problèmes qui ne sont pas solubles dans le système du bilinguisme. Alors, il y a des actions, bilingue, si je vous comprends bien, qui auraient pu être prises de l'avant pour mieux protéger les acquis dans le passé. Retournons voir Marie-Hélène Ratel qui surveille ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Conversation, vous pouvez le faire notamment sur Twitter en utilisant le mot « clic ». Pour ce soir, c'est « langues off » avec deux F. Et on a reçu un commentaire de Jean-Paul Saint-Amour de Facebook. Lui, il se pose des questions par rapport au conseil scolaire de langue française. Est-ce que les parents francophones versent les taxes à ces conseils? Parce qu'automatiquement, vos taxes vont financer les institutions anglophones publiques si vous ne le précisez pas. Donc, tout ce qui est de l'implication de la communauté, c'est un sujet qui résonne beaucoup avec les francophones qui nous écoutent ce soir. Et je reviens peut-être à la question de départ. On est toujours dans le thème de l'éducation, mais est-ce que le système actuel, ça sert bien la communauté francophone où il y a lieu de faire des transformations? Juste rectifier un peu ce qui vient d'être dit là, sur Facebook. Parce que le financement, on a déjà fait des analyses là-dessus, le financement n'est pas per capita pour les conseils scolaires de langue française. C'est un financement qui est accordé pour les communautés francophones, qui tient compte du fait que, justement, ils n'ont pas la base suffisante, si on veut, pour avoir les mêmes infrastructures si c'était juste en fonction de leur capital. Donc, si on laissait l'argumentaire de M. Brisson faire jour, ben, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas d'école. Tout simplement. Donc, ça fait en sorte que le système en ce moment fait en sorte qu'on a justement un financement qui est... On peut discuter s'il est adéquat ou non, ça c'est autre chose, mais il y a quand même un financement qui est plus que par taille de pipe. Mm-hmm. J'aimerais maintenant vous entendre sur la pénurie. On parle beaucoup du post-secondaire depuis le début de ce thème, mais aussi il y a l'élémentaire et le secondaire, la pénurie d'enseignants de français. Ça dure depuis des années en Ontario. Avez-vous des pistes de solutions? Comment on pourrait avoir plus d'enseignants de français ici en Ontario? Tasha? C'est une question, je ne sais pas si j'ai la réponse. Oui. L'école de ma fille aussi a vécu la même chose. Le prof de français était anglophone. Maintenant, ils ont un prof francophone. Elle vient de France. Alors, mm-hmm. je ne sais pas si on peut étendre mm-hmm. la main à l'international, mais c'est sûr que le Québec, qui serait source de profs francophones en particulier, prend ses profs pour lui-même. Ce n'est pas tout le monde qui veut aller ailleurs. Alors, des incitations, des incitatifs, pour moi, on peut toujours enseigner la deuxième langue qu'on apprend, mais il y a certainement un avantage que la personne ait grandi ou ait comme première langue la langue qu'elle enseigne. Oui, les programmes d'immersion sont vraiment populaires. Faiza, vous voulez ajouter? Oui, absolument. Si on veut plus d'enseignants francophones, il faut permettre aux enseignants francophones qui viennent de l'étranger avec des diplômes, avec de l'expérience, d'exercer ici. C'est la même question pour les médecins. Il y a d'ailleurs une recherche qui vient d'être lancée par le Centre francophone pour identifier les personnes qui sont diplômées de la santé à l'étranger et qui, en arrivant ici, ne sont pas capables
d'exercer dans leur secteur, mm-hmm. parce qu'effectivement, il y a cette question des reconnaissances des diplômes, il y a ces questions de syndicats, etc., qui freinent énormément. C'est des personnes qui arrivent avec de l'expérience et mm-hmm. qui sont là pour l'offrir et qui souvent vont devoir revenir, repasser par des études. C'est difficile, surtout dans un contexte torontois, par exemple, où la vie coûte très cher, donc merci. Rester dans les études, c'est juste pas possible. Donc, clairement, dans ces métiers-là, il faut revoir, c'est exiger, c'est demander, c'est revendiquer depuis des années cette question de l'équivalence des diplômes. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a là un frein, justement, à l'expansion des francophones en Ontario, ces barrières-là à l'entrée? Complètement. Nous avons des richesses incroyables. Donc, c'est sûr, encore une fois, l'immigration aujourd'hui est vue comme une question de monter les chiffres, mais c'est aussi une richesse économique qui est complètement perdue par l'Ontario, qui est perdue par le Canada, parce que nous avons toujours cette idée de revenir à zéro. C'est des personnes expérimentées qui arrivent, qui ont énormément de choses à apporter, et on nous demande régulièrement de passer sur des emplois sous-payés. Donc, c'est beaucoup de pertes à énormément de stades. Et il y a plein de gens qui veulent réagir à ce qu'on entend en ce moment. Gabriel, M. Boileau. Très, très, très rapidement, je vais faire juste une petite pause publicitaire pour parler du rapport que mon collègue fédéral, le commissaire aux langues officielles, a déposé il y a à peu près deux semaines, peut-être trois semaines, exactement sur ce sujet-là. Alors, on parle de reconnaissance des diplômes, on parle de mobilité mm-hmm. au niveau du Canada. On parle également d'une stratégie nationale qu'on doit se doter pour faire face à cet enjeu-là qui maintenant est aussi au Québec. Donc, on a aussi des problèmes pour avoir des professeurs de français également au Québec. Donc, on ne peut plus juste se servir de cette base-là pour avoir des professeurs chez nous. Alors, il y a cette... Je vous invite à regarder son excellent rapport. Excellent. Madame Marie-Hélène, vous avez une autre question ou commentaire de notre public? Oui, les gens nous écrivent d'un peu partout, de Facebook, entre autres. Nous sommes actifs sur Ici Ontario et la page d'Ici Ottawa Gatineau. Un commentaire par rapport à ce qu'on entend depuis le début ici au débat. On fait un tour d'horizon de ce qui existe dans la francophonie au Canada. On parle des structures existantes, mais on n'offre pour le moment aucune action politique pour changer la donne. C'est Serge Plouf qui fait ce commentaire. Donc, quelles pourraient être des actions concrètes, des pistes de solutions qui pourraient être mises en place? Et on parle d'éducation, donc est-ce qu'on pourrait, pour faire du chemin sur la question, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme volonté politique ou comme changement pour faire progresser la cause des francophones? Stéphanie Chouinard? Et d'une part, je pense qu'on a une responsabilité de faire pression sur nos gouvernements pour revaloriser les systèmes d'immersion. Si je prends par exemple l'exemple au Nouveau-Brunswick, où dans les derniers 10 ans, les gouvernements successifs ont joué dans les systèmes d'immersion, on a changé les dates d'entrée dans les systèmes, on les a reculés, on les a ravancés. Et là, on parle d'une province qui est officiellement bilingue, donc il y a un petit peu de responsabilisation à faire de ce côté-là et de revaloriser ces diplômes-là aussi. Souvent, c'est quand on pense aux enseignants, c'est pas le premier diplôme auquel on pense quand on pense aux études universitaires. Et là, on voit qu'il y a une lacune béante dans le système. Et donc, il y a clairement un besoin, là. Et donc, pourquoi les jeunes Canadiens ne sont pas plus prêts à aller vers ces diplômes-là? Je pense qu'il y a des questions à se poser. Et comment ça se vit? Vous êtes à Kingston, une communauté où il n'y a pas énormément de francophones comparativement à d'autres municipalités, mais s'il y a déjà une pénurie, j'imagine que ça doit être encore plus criant dans un milieu comme ça, trouver du personnel qualifié francophone pour travailler dans les écoles. Je suis au post-secondaire, donc je ne peux pas nécessairement parler de ce qui se passe dans le système scolaire, mais à Kingston, comme partout ailleurs en province, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le système d'immersion, là, absolument. Et quel serait, selon vous, chers panélistes, l'enjeu prioritaire lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle de la communauté linguistique francophone? Quelle serait la priorité? Vous voulez dire en termes de niveau? Pour enrichir cette francophonie? En termes d'éducation, parce qu'on parle de... Oui, allez-y. De deux choses l'une. Oui. D'une part, je crois qu'il y a un problème au niveau de la qualité de l'enseignement qui est fait en français. Je voyais des nouvelles sortir au sujet desquelles, à cause de la pénurie, justement, dans les écoles mm-hmm. d'immersion, on allait chercher des enseignants dont le français est de niveau plus ou moins bon, ce qui veut dire que les enfants n'ont pas la chance d'apprendre avec des gens qui ont un niveau de français correct. Mm-hmm. Et d'autre part, je pense que l'un des éléments qui
qui manque, et ça, c'est vrai des écoles d'immersion comme de nos écoles francophones homogènes, c'est d'établir le rapport entre langue et culture et de s'assurer que les élèves aient un rapport qui n'est pas seulement utilitaire à la langue française et qu'on ne parle pas de la langue française seulement comme d'une valeur ajoutée de matière économique, mais qu'il y ait un rattachement culturel à cette langue-là, que nos élèves connaissent nos artistes, ils connaissent notre littérature, notre théâtre. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur quoi il y a de l'amélioration à faire. C'est intéressant parce qu'en préparant le débat de ce soir, Gabriel et moi, on avait la même réflexion. On est tous allés en reportage dans des écoles francophones, oui. Dans mon cas, dans, à Ottawa, dans l'Est ontarien, ailleurs en région. Et on parle aux élèves francophones, mais dès que la cloche sonne, on se met à parler anglais dans la cour d'école, dans les corridors. Alors, comment attacher davantage les francophones, dans le système d'éducation à la culture? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'on doit avoir des cours différents, peut-être, Mme Abdallaoui? Je ne sais pas si c'est oui, effectivement, les rattacher à les cultures, mais aussi aider ces enfants. Alors, les enfants francophones des conseils scolaires francophones, mais aussi les enfants des écoles d'immersion, à faire vivre leur langue à l'extérieur des murs de l'école. Et ça peut passer par des petits gestes, en fait, du quotidien, de leur expliquer, alors un petit peu comme l'offre active, mais dans l'autre sens, qui peuvent eux aussi dire bonjour quand ils vont faire un achat, parce qu'il y a toujours ce petit côté de la personne avec qui on va parler. « Oh, tu parles français, c'est très bien. » Donc, qu'il puisse être valorisé. Parce qu'un anglophone qui entend parler un petit français va lui dire « Tu as de la chance, c'est merveilleux. Tu parles les deux langues officielles du Canada. » Et ça arrive très, très souvent. Donc, d'avoir des occasions, effectivement, déjà d'échange avec les écoles, avec les enfants des écoles d'immersion. J'ai l'impression, peut-être que je ne le sais pas assez, mais qu'il y a quand même deux silos qui sont un peu parallèles. Donc, les faire échanger entre eux. Et puis, surtout, avoir des occasions, alors effectivement culturelles, mais qu'ils soient parés pour les enfants aussi, qu'ils puissent s'amuser avec cette langue et qu'ils puissent la vivre différemment que dans la revendication, parce que c'est lourd quand même pour des enfants de vivre avec ce poids-là. Merci. Maintenant, nous avons une question de notre public. Monsieur, votre nom et votre question. Mon nom, c'est William Burton. Puis, ma question vient en lien directement avec ce qu'on parle présentement. J'aimerais dire que nos animateurs culturels, nos passeurs culturels, les artistes, les enseignants, ils travaillent tous ensemble pour que nos jeunes, ils construisent leur identité, leur fierté en français. Ma question vient avec les nouvelles en novembre de notre gouvernement provincial. Les jeunes, ils ont peut-être senti que notre premier ministre disait que ça valait peut-être pas la peine d'être francophone, de s'investir dans une université. Ça, c'est peut-être la réaction que certains jeunes ont eue à se douter. J'aimerais vous poser, à quoi est-ce que les jeunes qui reçoivent des commentaires de leurs amis, ça vaut pas la peine de parler en français, c'est quoi les outils que vous pourriez leur donner? C'est quoi la fierté que vous avez sentie puis que vous pourrez partager avec ces jeunes? C'est une très bonne question. Je dirais que moi, j'ai vu un peu le contraire. Les étudiants de Viamont, par exemple, qui ont vraiment manifesté une certaine... Je pense que peut-être c'est un certain réveil de fierté que ça a provoqué. Alors ça pourrait être utile, mais c'est sûr que oui, quand un jeune se fait dire, bon, parle anglais ou voit comme partout qu'il va, personne ne lui dit bonjour. C'est une question d'accroître les liens avec la communauté, avoir des équipes de baseball qui parlent français, par exemple, ou de soccer, des ligues où on parle français quand on fait des choses qui sont intéressantes pour les jeunes. Alors, avoir du plaisir, comme tu as dit, mais à l'extérieur du contexte scolaire aussi. Je rajouterais peut-être que d'apprendre une langue, ce n'est pas uniquement apprendre des mots, c'est aussi apprendre une culture, une vision différente. C'est très, très riche. Donc déjà, cette confrontation ou cet échange, quand on a la possibilité, encore une fois, comme vous, de grandir dans ces deux bassins, mais c'est une vraie richesse. Donc d'aller leur dire aussi que, ma foi, on est en 2019 et que si je peux me permettre de connaître que deux langues, parfois ça sera pas suffisant d'en connaître une troisième, d'en connaître une quatrième. C'est ça qui va faire que les frontières se brisent et vous devenez citoyen du monde, en fait. Et ce français, c'est le français en Ontario, certes, le français avec le Québec aussi, donc la francophonie canadienne, mais aussi les futurs 750 millions de francophones que vous allez avoir quand vous aurez mon âge. Ça va vraiment exploser, en fait, le français.
énormément de personnes parlent français aujourd'hui, apprennent le français. J'ai vu une étude très intéressante sur une application dont j'ai oublié le nom, mais qui offre vraiment ses cours à l'international. Et le français était la première langue apprise dans plus de 50 pays. Donc vous avez un atout. Moi, je dirais au contraire, montrez-le. Vous êtes. Puis il y a cette agilité du cerveau aussi quand on apprend plusieurs langues. Ne pas hésiter. Au contraire, vous êtes plus armé pour le futur. Il faudrait transmettre ce message-là. M. Boileau, qui voulait ajouter quelque chose, comment accroître cette fierté-là? En complément, parce que c'était excellent, j'allais dire pas mal de tout ça, mais en moins bon. Il ne faut pas oublier que les jeunes, on oublie ça, mais 68 % de nos couples en Ontario sont des couples exogames. Donc, un parent est francophone, l'autre parent est anglophone. Alors, quand on leur demande de faire un choix, ça va, wow, tu me demandes de faire un choix entre mon père, admettons, ou ma mère. C'est pas comme ça que les jeunes pensent. Ils sont bilingues. Et quand on fait il y a des études qui disent que quand on demande aux jeunes qui ils sont au niveau de leur identité, ils disent « Moi, je suis bilingue. » On leur répond « Mais non, c'est une caractéristique individuelle. » Non, c'est mon identité. Je suis bilingue. 80 % des couples francophones dans le centre-sud-ouest de l'Ontario sont issus de couples exogames. Donc, il faut prendre ça en considération, trouver des argumentaires ludiques, de retrouver exactement ce que vous disiez tantôt, pour que les parlements jeunesse de l'Ontario, toutes les activités de la FESFO, etc., tout ce qui finit par O, le REFO, sont extrêmement importantes, parce que c'est là que les jeunes découvrent que le français, c'est pas juste une question de la langue de l'école, donc le travail, mais c'est une question où ils peuvent s'épanouir et ils peuvent aussi aller chercher des choses qu'ils ne pourraient pas nécessairement aller chercher en anglais, parce que c'est un trop gros mélange. Il y a tellement de monde, il y a tellement d'activités. Tu veux faire de la radio communautaire francophone? Bien, tiens, c'est plus facile dans un milieu minoritaire de faire ça. Tu veux faire du théâtre? Je ne dis pas que nos artistes ne sont pas bons, au contraire. Ils sont très, très bons. Mais il y a quand même des possibilités de faire ça. Donc, c'est de trouver des occasions ludiques, mais en ne pilant pas sur le côté anglophone. Merci, merci, M. Boileau. Nous avons le thème de l'éducation tire à sa fin. Nous avons une dernière question, monsieur. Votre question de façon concise, votre nom d'abord. Très bien, merci. René Sévio ici. En réponse à la question sur Facebook, je pense qu'il ne faut pas oublier comme piste que le gouvernement a mis en place au niveau fédéral. À l'automne dernier, le ministère de l'Immigration, Citoyenneté et Réfugiés a mis en place un programme avec la Cité pour inciter justement les nouveaux arrivants à recruter dans les pays étrangers des gens qui vont être importants pour la communauté francophone ici en Ontario. Donc, des médecins, des avocats, des enseignants. Le problème aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque, puis on le vit au centre francophone, lorsqu'on a justement ces enseignants, pas ces enseignants, mais ces médecins, ces avocats, ces spécialistes, on se retrouve enfin à se faire voler par le côté anglophone qui, eux, offrent des salaires plus élevés. Donc, la parité des salaires est vraiment importante. Donc, comment retenir ces francophones, Faiza? Je voudrais juste, parce que c'est vrai que moi-même, je me rends compte, j'ai beaucoup parlé des nouveaux arrivants ou des francophones professionnels bilingues, mais rappelons-nous aussi de ces francophones qui arrivent et qui ne parlent vraiment que le français, parce qu'encore une fois, ils avaient cette idée du bilinguisme. Les retenir, rendons-nous compte aussi de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas que la langue. Un emploi, c'est un niveau de vie, c'est l'accès à un certain nombre de services, etc., etc. Donc, je pense qu'une des choses qui va être très, très importante et qui est en cours, finalement, dans nos communautés, c'est ces collaborations entre organismes qu'il faut vraiment pouvoir renforcer. C'est la création de communautés accueillantes. D'ailleurs, IRCC, enfin, le ministère au niveau fédéral a un programme dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment d'avoir tout un système qui est là et qui ouvre ses portes et qui accompagne. Je parlerai aussi de mentorat, parce que là, c'est vrai, on parle des organismes, c'est une grande part du travail, mais faisons aussi, nous, chaque membre de cette communauté francophone ou francophile ou anglophone, notre part du travail pour intégrer. Et c'est-à-dire, si je pouvais d'ailleurs lancer un appel aujourd'hui, c'est aux personnes qui sont là devant nous, mais aussi qui nous suivent sur Facebook, de se tourner vers l'un d'entre nous, ou moi, sur mon LinkedIn ou autre, et de dire, je veux mentorer un nouvel arrivant, je veux mentorer un réfugié ou une réfugiée, et puis, c'est juste de se connecter, en fait, avec les ressources locales et de démultiplier les efforts d'intégration. Ça nous aidera à les garder et surtout les garder épanouis. Très bien, merci.
Maintenant, passons au troisième et dernier thème de ce grand débat. Nous allons parler de la culture. Pour certains, le français peut être qu'un outil de communication, mais pour la plupart d'entre nous, la langue est un vecteur important culturel. Être francophone au Canada, canadien-français, c'est avant tout une affaire d'identité et de culture. C'est aussi une façon d'être et de vivre sa vie. Et c'est vrai ce que dit Gabriel, la culture, on la consomme en allant au théâtre, en allant au cinéma, en écoutant de la musique. Comment la faire rayonner, cette culture francophone? C'est ce que se demandent bien des gens, notamment Marie-Pierre Proux, c'est la directrice artistique du Théâtre du Nouvel Ontario à Sudbury. Les organismes artistiques et culturels, ainsi que les artistes, sont reconnus comme pouvant jouer un rôle clé dans la construction d'une identité franco-ontarienne forte. Ce concept-là, d'identité franco-ontarienne, me semble parfois renvoyer à une image assez fixe, voire un peu restreinte, de la population francophone de l'Ontario. Or, on le sait, cette population-là, elle a plusieurs visages, elle est en constante transformation. Selon vous, dans le contexte actuel qu'on connaît, est-ce que les arts sont reconnus à leur juste valeur comme véhicule et porte d'entrée à la valorisation et à l'épanouissement d'une culture et d'une identité franco-ontarienne qui est vaste, qui est ouverte, qui est multiple? Alors, grande question, est-ce que les arts sont reconnus à leur juste valeur pour répandre cette culture francophone, Melchior Bonipa? Moi, j'ai l'impression que les arts, nous tournons en rond. C'est aussi un peu comme les droits. C'est-à-dire, pour qu'ils soient reconnus, il faut que les arts se fassent reconnaître d'une certaine façon. Il faut qu'ils se vendent d'une certaine façon, c'est-à-dire il faut qu'ils soient attrayants. C'est-à-dire, si on cesse de promouvoir les arts, si on cesse de valoriser ce qu'on a à offrir, eh bien, on ne stagne pas, on recule. Maintenant, dans le contexte actuel en Ontario, en tout cas, j'ai l'impression que les pouvoirs publics soutiennent suffisamment les arts parce que les institutions artistiques que nous avons à Sudbury, par exemple, il y en a beaucoup. C'est une petite concentration d'institutions artistiques. Elles sont très subventionnées et ne pourraient pas survivre sans être subventionnées, y compris des institutions qui ont un côté producteur qui vend, comme le Théâtre du Nouvel Ontario. Je suis sur le conseil d'administration, mais nous avons besoin d'être soutenus. Et donc, moi, je ne dirais pas qu'on nous a abandonnés, mais il faut qu'on garde ce soutien, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on le perde. On peut le perdre, par exemple, en gérant mal les fonds publics qu'on nous alloue. C'est-à-dire, si les institutions ont tendance à faire des déficits, déficit sur déficit, ça peut décourager les bailleurs de fonds ou ça peut provoquer des punitions, des refus de soutien à un certain moment. Donc, il faut gérer les fonds publics qu'on nous alloue de façon correcte, de manière à continuer à mériter ce soutien. Et les questions de la culture, évidemment, je reviens à la question de William Burton tout à l'heure. Comment connecter les jeunes, la prochaine génération, à cette culture francophone? On sent que des fois, on risque d'en échapper. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions de ce côté-là, vous pensez? Moi, je allais m'adresser à la même question de l'art. Alors, je ne sais pas si vous voulez rentrer là-dedans, mais il y a un rôle pour le public, certainement. Il y a aussi un rôle pour le privé. Et là, je pense que peut-être la communauté francophone aussi aurait intérêt à chercher davantage de l'argent privé pour subventionner ou financer les centres culturels, le théâtre, toutes ces choses que la communauté anglophone, on voit à Toronto, est très bien réseautée avec les fondations, les grandes familles qui donnent de l'argent. Ayant vécu au Québec, je peux vous dire que les francophones donnent moins généralement à ces types d'institutions. On voit ça, la philanthropie n'est pas aussi développée. Alors ça, c'est un défi, je pense, pour la communauté francophone là et aussi ailleurs au Canada d'augmenter cette participation du privé dans les arts. Très bien. On a maintenant une question de notre public. Monsieur, votre nom et votre question. Joël Bedose. Deux petits commentaires.
la philanthropie est moins développée en français parce qu'il y a toujours un grand écart en ce qui concerne les revenus moyens entre francophones et anglophones dans ce pays. Donc, quand on a moins d'argent à donner, on en donne moins. Deuxièmement, comment, si on est si bien financé, expliquez-vous que le Théâtre français de Toronto est la dernière compagnie francophone à l'extérieur du Québec sans salle? Ça, c'est des commentaires. Ma question, en fait, vous allez me trouver drôle, je sors du domaine des arts. Oui. On associe la culture aux arts, je trouve, parfois trop directement en Ontario français. Qui dit culture dit quelque chose de très, très vaste. On parle d'un rapport à travers une langue et une perspective culturelle spécifique à tous les domaines de la société, c'est-à-dire les finances, la recherche, la science pure, tout ce qui est entrepreneuriat, déplacement. Je me demande, et je vous pose tous la question, en fait, n'y a-t-il pas des lacunes en ce qui concerne le projet culturel, d'autonomie culturelle des Franco-Ontariens dans des domaines à l'extérieur des arts? Et là, je reviens à la question des universités bilingues, où il y a des programmes dans certains domaines qui sont offerts uniquement en anglais, et ça envoie un message assez clair aux francophones, c'est-à-dire leur langue n'a pas les outils nécessaires pour exprimer, pour articuler une pensée complexe dans la médecine, mm-hmm. Dans la recherche informatique, par exemple. Or, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, ma question est la suivante. Comment se fait-il qu'il y a tant de domaines du vécu des francophones de l'Ontario qui sont comme absents et qui ont une portée culturelle très importante? À mon avis, ça contribue à l'assimilation. Peux-tu juste appuyer factuellement ce qu'il vient de dire? Parce que dans le rapport de 2012 sur la situation de l'état du postsecondaire en français dans le centre-sud-ouest, qui était un excellent rapport, soit dit en passant, on avait justement établi que 36 % des programmes dans la région de la capitale nationale, seulement 36 % des programmes sont offerts également en français. 33 % à Sudbury et dans le centre-sud-ouest, c'était de 0 à 3 %. On a peut-être augmenté un petit peu, là, mais pas de tant que ça. Alors, le gouvernement avait investi et injecté 16,5 millions sur 3 ans à ce moment-là. Puis après ça, le débat a été relancé. Suite à ce rapport-là, le débat sur les universités de l'Ontario français était relancé. Mais je suis d'accord avec Joël sur cet aspect-là. Je parlais justement avec Jacques Frémont de l'Université d'Ottawa récemment, et il disait qu'il veut avoir son programme de génie en français. Qui travaille très fort pour avoir ça, mais on ne l'a pas encore. Donc, c'est des... c'est des choses qu'il faut vraiment travailler, œuvrer. Je suis tout à fait d'accord avec Joël là-dessus. Mais j'ajouterais aussi, je me permettrais ce petit commentaire-là, que les arts, c'est quand même notre oxygène comme communauté, qu'on soit anglophone ou francophone. Et si on n'investit pas dans ces arts-là, on va tous devenir, là, je vais faire mon philosophe de garage, mais on va devenir des automates, là. Et donc, on a besoin des arts pour nous maintenir en vie, pour nous garder éveillés, pour nous garder curieux, pour nous garder ce soupçon de vie-là qu'on a besoin pour être plus que des individus qui fonctionnent matin, boulot, dodo, soir, mm-hmm. mais qu'on vit en société. Et comment développer, Stéphanie Peut-être Chouinard? Des politiques du livre qu'on a au Québec, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une politique du livre semblable en Ontario? C'est ça, en termes de solutions, comment on peut développer la politique qui vont faire en sorte qu'on... Quand je vois des coupures qui sont annoncées au Conseil des arts de l'Ontario, à la Fondation Trium, ça, c'est toutes des choses qui sont quand même assez inquiétantes parce qu'on envoie un certain message là-dessus. Ça, c'est peut-être moins prioritaire, mais on a besoin de plus d'infirmiers et d'infirmières. Oui, d'accord, mais on a besoin de gens qui vont vivre aussi de cette communauté-là, et donc les arts servent à ça aussi. Qu'est-ce que vous voudriez voir, Faiza Abdelhaoui, pour développer la culture francophone davantage? Alors, c'était plutôt la partie sur les donations, en fait, moi, qui m'ont interpellée, et j'irais dans le sens vraiment de Tacha, en disant qu'on a vraiment quelque chose là qui manque et qui pêche dans nos cultures francophones. Alors, ça touche effectivement le Québec, la francophonie canadienne, mais on le voit aussi en France, etc. C'est cette notion que peut-être, chez les francophones, on attend beaucoup de l'État.
et un peu moins de nous en tant qu'individus, en tant qu'individus qui a une action ou qui a une possibilité de changer les choses. Je comprends bien, effectivement, et on le voit dans les statistiques, que pour une certaine frange de la population, les revenus vont être moins importants chez les francophones. Tout à fait. Mais nous avons aussi des entrepreneurs, nous avons des chefs d'entreprise, je vois certains représentants ici dans la salle, et il serait peut-être intéressant de la part de ces entrepreneurs francophones, de ces chefs d'entreprise, de faire ce pas qui peut-être est beaucoup plus simple chez les anglophones, de mettre leur nom sur des donations. Ils le font très bien dans les hôpitaux, ils le font dans les universités, ils le font pour les programmes scolaires. Parfois, c'est effectivement un 10 000 $ qui peut changer et qui peut proposer une location de salle peut-être sur certaines choses. Donc j'interpellerai vraiment ces personnes de la communauté francophone que peut-être on touche moins bien, parce que souvent on parle d'organismes de service, mais nous avons aussi cette communauté qui est déjà prospère, qui est établie, et ça serait une bonne façon de les reconnecter en fait avec les besoins. Ça marcherait pour l'université francophone, enfin on parle de financement pour l'université française, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a ces centres artistiques, il y a aussi ces centres de femmes, soutien contre la violence faite aux femmes, c'est une annonce qui a été faite hier ou ce matin, je ne sais plus, de fonds qui vont être moins importants que prévu, alors que la demande augmente. Donc comment est-ce qu'on soutient nous-mêmes en tant que professionnels nos centres, et ça, ça demande pour un dollar, pour qui peut donner un dollar, 10 000, pour qui peut donner 10 000. Et encore une fois, je fais l'appel à peut-être un donateur anonyme qui pourrait donner le premier million de dollars pour un organisme. Très bien. Maintenant, Marie-Hélène, allons du côté des médias sociaux. Oui, alors qu'on parle du thème de la culture, quelque chose qui ressort, c'est par rapport à l'identité. Et Marc Gauvin nous a écrit sur Facebook avec ce commentaire auquel on pourrait réagir. L'avenir linguistique passe par le franglais et l'union de ces deux langues pourra unir toute l'économie des deux anciens empires britanniques et français. Il croit que le franglais pourrait rivaliser aussi avec le mandarin. Donc, quand on parle de l'identité francophone en contexte minoritaire, quelle est l'importance du franglais, justement? Ah, question assez rigolote qui nous fait rire. Bonjour, hi. J'ai une petite anecdote, si je peux me permettre. Allez-y. Je pense que mon fils n'est pas couché, qui regarde la télé, il a 10 ans. Et ça fait quelques années déjà que quand on lui demande quelle langue il parle, il dit « je parle trois langues, le français, l'anglais et le franglais ». Donc, je t'embrasse, mon chéri. Et c'est vrai que ça m'avait frappée quand il avait dit ça. C'est aussi cette façon, alors je sais aussi que pour certains, il y a une notion, en tout cas pour les jeunes, cette notion d'insécurité parfois linguistique. On ne parle pas exactement le français, enfin on ne parle pas parfaitement le français, on ne parle pas parfaitement l'anglais. C'est quelque chose que j'ai vu dans beaucoup d'autres pays. Le mien, par exemple, je suis originaire d'Algérie, membre de l'association algérienne d'ailleurs, et c'est vrai qu'on est un peu parfois entre ces deux langues. Comment est-ce qu'on règle ça, entre guillemets, c'est d'avoir vraiment des opportunités de l'utiliser. Cette identité franglaise, ça me paraît un petit peu poussée, mais ça serait quand même intéressant, au moins pour pratiquer, puis se sentir tout simplement... Mais parlons de l'insécurité linguistique, Monsieur Bonimba. Comment combattre cette insécurité linguistique qui, vous devez le voir chez vos étudiants parfois, qui ne se sentent pas confiants dans leur langue en français? Oui, mais moi, ce que je leur dis, c'est que il faudrait peut-être regarder en dehors de leur pays, de leur culture. On parlait de franglais. On parlait de deux langues. Maintenant, je vais dire peut-être des choses qui contredisent ce que j'ai dit avant. Pour survivre, j'ai dû apprendre et maîtriser au moins 5 langues. Donc, dans un pays comme le Canada, où on a deux langues officielles internationales, ça ne devrait pas être la mer à boire de posséder les deux langues. Donc, c'est quelqu'un qui m'a dit que non, il parle, il est immergé. Dans le contexte anglais, il ne parvient pas à apprendre le français. Je dis, peut-être il faudrait des fois regarder s'il n'y a pas un brin d'existence paresseuse dans cette posture-là. Pourquoi est-ce que dans d'autres milieux, dans d'autres peuples, apprendre une nouvelle langue qui nous fait avancer, ce n'est pas quelque chose... Je n'entends pas beaucoup de pays africains se plaindre du nombre de langues qu'ils apprennent. Après l'école primaire, à l'école primaire, on m'enseignait en français. À l'école secondaire, j'ai dû apprendre l'anglais.
Et puis, après l'école secondaire, j'ai dû aller à l'université dans des pays qui n'étaient pas le mien et parfois qui n'étaient pas francophones. J'ai dû apprendre toutes ces langues. Donc, si, peut-être que je suis en train de négliger le contexte, ce que j'ai dit, le rapport des langues entre elles. Mais peut-être qu'il faut en sortir de temps en temps pour regarder ce qui est possible et pour voir que la situation dans laquelle nous sommes, ne pas absolutiser ça, relativiser des choses pour pouvoir avancer. Je serais curieux d'entendre Jean-Serge Brisson là-dessus, votre relation avec la langue française, comment vous voyez ça? Votre fierté d'être francophone. Mm-hmm. J'ai été élevé dans une famille francophone. Mon père m'a toujours dit, sois fier d'être francophone, parce qu'il y a bien des francophones qui sont débattus, qui ont fait des efforts extraordinaires pour être capables d'apprendre en français puis vivre en français. Mais c'est des efforts personnels. C'est pas le gouvernement qui l'a fait pour eux autres, c'est des individus. On avait une pièce qui jouait dans la municipalité de Russell, dans Prescott Russell. C'était la revanche des... j'oublie le titre de la pièce, mais c'était des volontaires, des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels. Et puis, c'était la revanche des les professeurs, les femmes éducatrices. Ils prenaient la broche qui tenait leur chapeau. Les épingles à chapeau. Les épingles à chapeau, c'est ça. Puis, ils couraient après les inspecteurs quand ils venaient inspecter les écoles. Pour les courir en dehors du corps, parce que les inspecteurs venaient voir s'il y avait des manuels en français. Oui. C'est une pièce de théâtre qui a fait fureur dans l'Est d'Ontario. Et ça s'est passé pour vrai, ça fait partie de l'histoire aussi. Ça s'est passé pour vrai, oui. Maintenant, ça, comme j'essaie de dire, c'était l'effort des individus qui ont poussé leur culture, la culture française. Donc, c'est un effort personnel, selon vous. C'est un effort personnel, ça n'en revient à ça. Puis, comme M. Boileau a dit tout à l'heure, c'est pas en concentrant nos écoles puis nos scolaires, c'est en les redonnant au peuple. C'est là que l'effort faut qu'elle se fasse. Très bien, on vous a bien entendu. Maintenant, nous avons une question de notre public. Madame? Oui, bonjour. Je m'appelle Geneviève Auger. Je voulais réagir à un des commentaires du professeur Bonimpa. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction du fait qu'ici, en Ontario, on a une situation particulière. Les francophones apprennent le français à la maison, avec maman ou papa, ou les deux. Et ensuite, ils vont dans un monde professionnel où, la plupart du temps, ils parlent anglais. Donc, ils ne développent pas le vocabulaire professionnel. Et donc, les panélistes ont le plaisir de travailler tous les jours en français, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens dans la communauté. Donc, il ne faut pas du tout faire abstraction de ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça, justement, que nous avons l'insécurité linguistique, parce que le développement linguistique s'arrête, on va dire, aux études ou au vocabulaire familial. Très bien, merci pour votre commentaire. Je peux faire un commentaire là-dessus. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'une université francophone est très importante. Parce que là, on apprend ce vocabulaire professionnel. Moi, je sais, j'ai étudié à McGill, mais en français et en anglais, on peut faire le droit dans les deux. Et il y a certains vocabulaires que j'ai dans une langue et certains dans l'autre, parce que je les ai appris. J'ai certains vocabulaires uniques professionnels en français, j'ai travaillé en français. Mais c'était à l'université où j'ai appris ces choses-là. Alors, pour faire le pont, justement, à ce que vous dites, entre le personnel, le ludique et l'école primaire et secondaire, le post-secondaire, c'est le pont entre ça et le professionnel, et c'est là où ça s'apprend. Très bien, merci. On me dit qu'on a le temps pour une autre question de nos médias sociaux, Marie-Hélène. Oui, tout à fait. Donc, on parle en ce moment des produits du contenu francophone. Comment est-ce qu'on peut le faire rayonner à l'extérieur d'une province, par exemple? Donc, à quel point est-ce que c'est important d'afficher, oui, et de servir en français, mais d'inciter les gens à consommer plus de produits culturels? Adam Summerfield qui nous a écrit sur Twitter. Et Marc-Albert Cormier va un peu dans le même sens en se demandant, il est où le Netflix francophone pour faire rayonner à l'international les produits francophones, par exemple des films, des téléséries? Intéressant tout ça. Le temps file à ce grand débat. On aimerait peut-être conclure avec une grande question. On aimerait entendre nos six panélistes là-dessus brièvement.
Comment voyez-vous l'Ontario français en 2030? C'est pas tellement loin, mais un souhait peut-être pour l'Ontario français de 2030, Stéphanie Chouinard. Ah, parce que c'est moi qui dois commencer. Allez-y. Oui. Donc, comment je vois l'Ontario français en 2030? J'espère que l'Ontario français sera plus nombreux, plus divers, et certainement qu'on aura préservé les institutions qu'on a, qu'on en aura peut-être rattrapé d'autres. Je vous regarde, M. Boileau. Peut-être qu'on peut souhaiter une université francophone en 2030. Très rapidement, M. Ponimba. J'espère que l'Ontario français sera plus inclusif. Nous avons entendu parler de pénurie d'enseignants, alors qu'il y a des gens qui pourraient enseigner, mais qui n'ont pas la possibilité de le faire. Mais là, c'est aussi dans d'autres domaines, comme chez les médecins. Et on a le temps pour un dernier souhait. Donc, un Ontario plus inclusif, Tasha Carradine? Inclusif. Inclusif, mais aussi immigrant, je pense qu'il faut faire, Steph. J'espère que la proportion d'immigrants ou le nombre d'immigrants francophones augmente, ainsi que l'université, qu'en 2030, on ne parle pas toujours de la création de cette université. En quelques mots, M. Brisson? C'est pour en laissant ça dans les mains du gouvernement que ça va se régler. Mme Faiza? En quelques mots, alors je ne les ai pas comptés, mais je dirais effectivement, bien sûr, inclusif, parce que c'est une francophonie, c'est un Ontario français qui va se diversifier encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, donc qui ait cette possibilité de s'épanouir pour tous et de s'unir. Dynamique, surtout économiquement et notamment par l'entrepreneuriat, quelque chose qu'on ne fait pas encore suffisamment. Ouvert aux autres, ouvert au monde et surtout engagé en Très termes de engagé. Citoyens. Monsieur Boileau, il reste quelques secondes. Je souhaite qu'on ait encore ces débats-là en 2030. Absolument. Parce que si on n'a pas les débats, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour en faire. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à tous d'avoir été des nôtres. J'espère que l'exercice vous a plu. Radio-Canada est fier d'avoir organisé cette tribune pour débattre de la crise linguistique et de la vitalité des communautés. Et on cherchait à se questionner sur l'avenir des communautés francophones. Voilà. Je pense que l'exercice est réussi. Si vous souhaitez revoir le débat dans son intégralité, visitez radiocanada.ca/langues officielles. Merci à tous nos invités d'avoir participé, accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi et bonne fin de soirée.